Le village des recruteurs Grenoble-Alpes Métropole, de retour sur notre plateau vidéo avec Marina Estéoul. Bonjour, bonjour. Vous êtes responsable du cabinet de recrutement Neptune RH, qui est d'ailleurs un groupe né à Grenoble, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et une quarantaine de postes à prévoir, potentiellement ici, notamment des postes de cadre. Oui, cadre et cadre supérieur dans l'industrie, le tertiaire, le BTP. Aujourd'hui, on a par exemple des postes en informatique, beaucoup, des développeurs web, des ingénieurs réseau et systèmes, des commerciaux, et puis après des postes BTP un peu plus sur la partie gros œuvres, conducteur travaux gros œuvres, tout corps d'État, ou même en fibre optique. Le village des recruteurs, c'est un bon moyen de toucher certains de ces candidats qu'on ne touche pas par d'autres biais. Tout à fait. Ça nous permet aussi de sortir de notre quotidien, des CVTech, on va dire, entre guillemets, classiques et de nos moyens de recrutement classiques pour rencontrer des candidats Horizons. D'autres horizons. C'est-à-dire que ces candidats-là, ils passent un peu entre les mailles du filet du recrutement classique. Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, en effet. On essaie d'être au plus proche de nos candidats et de pouvoir les rencontrer justement et les accompagner dans leur perspective d'évolution. Donc pourquoi pas avoir des candidats qu'on rencontre aujourd'hui pour peut-être, s'ils ont un bon profil, pouvoir les proposer chez nos clients directement sans avoir de poste ouvert. Voilà. Oui, parce qu'un profil de cadre, j'imagine qu'on ne signe pas directement ici. C'est une première approche, c'est ça. Tout à fait. Alors vous êtes sur des secteurs en tension, on pourrait dire, que ce soit l'industrie, le tertiaire, les postes de cadre. Des postes assez pénuriques. Est-ce qu'aujourd'hui, vos clients ont des niveaux d'exigence où ils sont prêts à finalement faire preuve d'une plus grande latitude par rapport à ces postes-là? On va dire qu'au départ, ils ont toujours une exigence d'avoir le candidat parfait. Mais on est aussi là pour les accompagner avec les problématiques du marché, leur dire voilà, aujourd'hui le marché est comme ça, on n'aura pas le candidat idéal dans les cases parfaites, donc on les accompagne justement pour essayer d'améliorer et de leur proposer des candidats qui peuvent parfois sortir un peu du cadre et qui peuvent tout à fait correspondre par leur savoir-être et même des compétences qu'ils ont pu acquérir sur d'autres postes à leur profil et à leur candidat rêvé. Voilà. Ces candidats qui sortent du cadre, finalement, leur seule manière de se faire remarquer, de se démarquer, c'est la rencontre en direct. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on essaie de pousser aussi, justement, dans nos retours d'entretien. C'est parfois le savoir-être qui peut être vraiment un plus, une vraie volonté, un vrai savoir-être et qui est un plus pour l'entreprise. Quand on est sur une entreprise, par exemple, qui est en pleine évolution, etc. Avoir quelqu'un de très dynamique, très jeune, avec plein d'idées, qui est assez créatif, pourquoi pas? C'est des choses qu'on a déjà fait, qu'on a déjà proposées et qui ont matché. Mais alors comment on le jauge ça? Vous avez une grille d'évaluation? On lui soumet des questions, on voit comment il réagit? Après, voilà, à la discussion, le but, c'est qu'aujourd'hui, nos candidats se livrent à nous et non qu'on reste dans des cases complètement fermées. Donc après, au fur et à mesure de la discussion, c'est vrai qu'on apprend à les connaître. Et du coup, on cerne certains traits de personnalité qui peuvent correspondre ou non à notre client. Et ces candidats-là, vous pouvez tout à fait dire à votre client, à l'entreprise, oui, il ou elle n'a pas le CV requis, mais rencontre-le, rencontre-la, parce que ça vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup. D'accord. Vous avez un process de recrutement assez particulier. Oui. C'est-à-dire que vous misez aussi beaucoup sur la recommandation. Tout à fait. Aujourd'hui, on a lancé en France, en partenariat avec la société qui s'appelle Linkies en Suisse, depuis septembre, une application web qui est basée sur la recommandation. Donc, on publie des posts directement dessus et on attend que ce soit de nos candidats ou de candidats potentiels, de pouvoir proposer des amis qui recherchent un emploi et qui puissent correspondre. Et c'est de la cooptation qui est rémunérée, bien sûr. Est-ce que ça fonctionne? Oui, aujourd'hui, on a eu des réussites, que ce soit sur de l'intérim, mais aussi sur du recrutement, on a eu quelques réussites. Et notamment en interne chez nous, on a eu des personnes qui ont été recommandées et qui sont aujourd'hui, qui ont intégré notre société en CDI. L'intérêt de la recommandation, c'est qu'il y a une certaine fiabilité, ça fait gagner du temps. C'est ça. On a des profils de meilleure qualité, ça fait gagner du temps parce que ça nous évite d'aller chercher sur les CVTech, bien sûr. Et on a des personnes qui s'engagent un peu plus, qui connaissent un peu plus la société, etc. Donc ça leur permet de s'engager et de dire, ok, la société correspond
à ce que j'attends. Je m'engage, on y va. Voilà. Merci beaucoup Marina Estéhoul, Neptune RH. Et on se retrouve dans quelques instants ici sur ce village des recruteurs Grenoble-Alpes-Métropole. Merci.